Que lo que. Shh. Hablo así de bajito porque ahora les tengo un reportaje bastante particular. Hoy se celebra el Día Internacional de la Radio, así que vamos a entrevistar a Arthur y a Berenice directamente desde los estudios de Rouge FM. Así que síganme, vengan conmigo, ven. Estos jóvenes talentos, como habrán podido ver, se llevan muy bien, hay muy buena química entre ellos y les conocí gracias al Día de la Música Latina, justo aquí en este estudio. El concepto que ustedes presentan actualmente en Rouge. C'est une radio musicale, mais notre émission est basée sur tout ce qui est connecté, donc high-tech, les infos rouges, le people aussi, le top connecté, voilà. Tous les réseaux sociaux en fait, ouais. Toutes les infos sur les réseaux sociaux, ce qui nous connecte aujourd'hui à la vie en fait. Donc effectivement Facebook, Instagram, Snapchat et il y a des infos aussi insolites, un peu plus drôles sur lesquelles on débat et on discute avec les auditeurs et les auditrices. Alors comment elle est née? Comment elle est née cette passion? Eh ben elle est née en écoutant la radio pour ma part. J'ai toujours beaucoup écouté la radio et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit pourquoi moi je ferais pas ce que j'entends et ce qui me fait rigoler. Donc j'ai essayé et de fil en aiguille, j'ai commencé la radio avec des amis, des copains et à la fin j'ai eu l'opportunité d'en faire dans un cadre plus professionnel. Et aujourd'hui, je suis sur Rouge, je suis très content parce qu'on anime une émission avec Berenice qui marche bien et dans laquelle on rigole beaucoup et c'est vachement important de rigoler en radio. Moi pareil, j'avais envie de divertir les gens, donc je suis montée à Paris et j'ai eu la chance de pouvoir commencer sur une très grosse radio, voilà, et d'avoir une très bonne expérience avec les plus grands animateurs français. Et puis après j'avais envie de changement, donc voilà, je suis venue en Suisse. Moi j'ai pas encore fait de télé, mais l'idée me plaît beaucoup et j'espère un jour faire de la télé. Parce que la radio et la télé généralement c'est lié et on peut facilement faire les deux. Donc j'espère un jour faire de la télévision. Y tiene el look perfecto, es joven, rubio, habla un francés mejor que el mío, entonces ¿qué más le falta? Y la chica, preciosa de verdad y súper simpática. Moi j'ai déjà fait de la télé en France et en Belgique et pourquoi pas refaire de la télé, oui, c'était très très bien. Merci Ansel. Très très bon chanteur.